Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 411e épisode de notre Let's Play Station Heroes saison 5 sur Vulcain. Aujourd'hui, c'est retour au trader. Allez, en route. Il est fou, je se mettrai à l'envers. Alors toi c'est passerelle et toi c'est trader. Ok. Donc INT c'est trader et c'est passerelle. Impeccable. Parfait. Simplement parfait. Ça peut se fermer. Ça peut s'ouvrir. Ah, un qui demande de l'oxygène, j'ai pas d'oxygène. Et le machin, tu veux quoi déjà? Où es-tu? Oui, coucou. Où les champis? Est-ce que j'avais des champis? Kit de 3 graines. Je vais prendre ça. Je sais plus si j'en avais déjà pris. Et qu'est-ce que t'achètes? T'achètes des patates. On veut 50 à 3 pièces. C'est pas grand chose. Pas grand chose. Ouais, Elfie, ChatGPT, franchement, ça peut t'orienter sur certains concepts, mais j'avais essayer de m'en servir pour des modules Jira Ansible et le truc était à la ramasse complète. Quand je dis à la ramasse complète, c'était à la ramasse complète. Le problème, c'est que quand t'es sur des trucs qui bougent rapidement, comme le data training de ChatGPT, il a plus de 2 ans maintenant. Dès que c'est du code, dès que t'as des trucs récents qui sortent, c'est même pas envisageable de s'en servir. Alors sur du bash, ouais. PowerShell, c'est assez récent. Enfin, PowerShell, ça évolue constamment, donc. Je dois avoir un paquet de patates. On veut 50. Je vais voir si je peux pas te chercher des patates. Oh, c'est moche ça. Mais c'est moche. Ah, y a ce sas là aussi à finir. On va faire. C'est ce qui permet d'aller sur le toit. Patates pour le trader.
Mon Dieu. C'est horrible. Nulle part. Bonjour, c'est pour des pommes de terre, je vous prie. J'en voudrais 3 stacks, je vous prie. Et vous allez bientôt crever les patates. Je sais pas comment ça se fait. Combien de temps il leur reste? 40 minutes. Ah oui. C'est bizarre. Alors, j'ai des patates pour vous, monsieur. Voilà. Je voulais 30 blés aussi. Peut-être que je vois remplacer la vending par une vending réfrigérée et envoyer des surplus ici aussi, je pourrais en vendre. Ouais, bah écoute, sauve-toi. Sinon, dans ce hangar, j'ai rien oublié. Non, j'ai bien tout fait. Ah, c'est lui qui est parti, je me demandais ce que c'était ce bruit. Faudra que je m'amuse à refaire ce sas. J'ai ce qu'il faut pour refaire ce sas. À la limite, oui. Ah. Je n'ai pas, en revanche, c'est de la place. Mettre mes sensors à l'extérieur et tout ça. Est-ce que je peux passer à bio, un câble comme ça, oui, ça je peux faire. Et là, oui, ça je peux faire. Ok, pas de bête. Un gas sensor et un occupancy sensor.
J'appelle OSINT. Ici. Faut que je me garde une place là. Toi, tu vas pouvoir... Comment je te ferai basculer? Déjà, on va faire ça. Voir plus clair. Ah oui, c'est vrai, ça va moins bien marcher comme ça. Excuse-moi. Ok, de ce côté, il n'y a pas de problème, je peux mettre... Ah si, il y a un problème. D'abord que je mette... Toi, ça va être un problème, je peux pas mettre un occupant ici. Sauf... Non. On va tenter un truc. Ça. Ah. Smooth panel, celui-là. C'est pas ce que je veux. C'est tout ça. Et ça, ça marche. Très bien. Super. Ça. Toi. J'ai besoin d'un housing et d'un sensor. Donc, si je mets l'housing ici, je pourrais mettre les sensors là, je peux mettre l'housing ici, je peux me rajouter les sensors là, je passe par le mur, pas de problème. Ah.
Est-ce que je les ai bien nommés à l'intérieur? Sarsas. C'est accès toi. OSVXT. NTNT 22XT. NTNT 22XT. Tuyauterie. Ici. Tuyauterie là. Elle, accès toi. Ah. J'ai un doute sur le... Est-ce que je l'ai bien nommé ? OSINT, c'est bon. Mieux vérifier avant plutôt que de se retrouver bloqué dans le sas. Oui, ça c'est très malin. Est-ce que j'ai pas bien fait? Ouais, ça, sensor SAS, NTNT, 22XT. Tu m'as bien trigger. Ah! Je sais ce que j'ai fait, j'ai oublié de te raccorder toi. Impeccable. Câble.
on peut rien faire malheureusement. Sauf à mettre des murs en padding. Est-ce que ça donnerait des murs en padding? C'est là que je voulais le prendre. Test pour voir. Small arch. Non, c'est soit big arch, soit padding. Padding, ça fait trop gros pour le sas. Ça le fait pas. Ah, je vois ça, des fois c'est un peu débile. Pour économiser 50 centimes, tu te rajoutes 6 mois de charge d'une équipe d'ingé, chef de projet. Donc ils sont obligés de gérer ça, ils avancent pas sur un autre truc. Bon, c'est le tour de trading. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est réparée? Oui. On peut dire qu'elle est opérationnelle. Ouais. Mais tout... Tu flashes un erreur because t'es pas raccordé. Parce que je sais pas trop comment te raccorder en fait. C'est pour ça que t'es pas raccordé. Parce que idéalement, il faudrait que je te ramène tous les gaz. En vendre des gaz. La demande. Oh là là, lui peut m'intéresser. Un petit. Mais les alloys, ils avaient un avantage, c'est qu'ils me prenaient des minerais. Vous pouvez me prendre mes surplus de minerais. Est-ce que j'ai des minerais en surplus? Je les appelle toujours la nuit, tiens. Coucou. Et coucou. Alors, qu'est-ce que tu... Ah. Qu'est-ce que tu prends? Je prends pas forcément les trucs que j'ai envie de te vendre. Je prends pas énorme. Laisse tomber. Laisse tomber. Bon. Il fonctionne, c'est le principal. Ça, c'était réparé, c'est le principal. Pourrait virer. On a nos couloirs qui sont montés. J'aurais pas dû laisser ça. Je peux les choper. Parce qu'au final, non, je sais très bien où ça va puisque j'ai fait le. J'ai suspendu mon sas.
Bon, ça c'est une affaire qui déroule. Ah. Non. Dedans. Non, c'était pas dedans. Alors combien t'as de flotte maintenant? Est-ce qu'on a passé les 20 kilomoles? Ah, 19,6. What? Ok. C'était 19,9. J'ai peut-être un batch de flotte qui est en train de se préparer au-dessus aussi. J'ai fait un batch d'azote. C'est pas énorme ce que t'as en azote, mais t'en as. Là, tu traites. Majoritairement de l'azote, t'es déjà à 25 degrés, donc c'est que du recyclage. Du recyclage. Voilà. 27, 69. Tout va bien. Voilà. 100, 100. Tout va très bien. Voilà. 100, 100. Toi, 100, 100. Ok, pourquoi est-ce que toi tu te fais bouffer alors? Bizarre, bizarre. Celui-là. Ah, c'est bien, on va finir par le cramer. Amène ta barre de céréales. Oxygen low. Oxygen critical. Hop. Ça fait bizarre d'être sur cette passerelle. Ça fait bizarre que cette passerelle soit finie. C'était par là que je posais mes bouffe en quoi. Bon, bah sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Juste faire un petit tour pour vérifier que j'ai pas la fournaise qui soit en cours d'utilisation. Sinon ça se bloque, c'est la merde. Il se met à... S'il est en cours de processing, il arrive. Et qu'on sauve la partie au redémarrage, il processe plus. Eh ben bon courage Elfie. Bon bah voilà, moi en tout cas je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous retrouverai, alors exceptionnellement pas demain, parce que je serai de babysitting en solo, donc pour éviter de devoir faire des allers-retours tout le temps. Enfin, temps. Toutes les 10 minutes d'aller hausser le ton parce que ça fait la Java. Je serai off demain. Mercredi, on se retrouvera en coop sur No One Survive avec Capo et Titan. Jeudi, je serai off aussi. Et vendredi, on ira continuer de faire de la logique sur Turing Complete. Et puis samedi, je croise les doigts, Station Ears saison 2 pour la coop. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'être passés. Ça fait toujours plaisir de vous avoir. Merci sur YouTube, vous pouces bleus et vos commentaires qui font plaisir.
sur Twitch. Restez un petit peu, on va regarder si on peut se faire un petit raid. Et puis en tout cas, bah, merci encore. Je vous dis à demain. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.